Tous, on se retrouve pour la deuxième partie du tag les 100 questions que personne ne pose. Donc, on va débuter tout de suite pour la 51e jusqu'à la 100e. Donc, 51. La dernière fois que tu as photographié par un... La dernière fois que tu as été photographié par un photographe, je vais y arriver. C'était pour une photo classe, ouais, c'était une photo de classe, j'en suis même sûre. Aimes-tu des comédies musicales? Oui, c'est des comédies musicales qui passent à télé. High School Musical, je sais pas si vous connaissez, bref, j'ai bien aimé. Noël est-il stressant pour toi? Alors, stressant, pas vraiment. En gros, je stresse jusqu'au moment que j'ai tous mes cadeaux. C'est-à-dire que tant que j'ai pas tous mes cadeaux à donner, je stresse, je suis en mode mais je vais pas y trouver tout ça. Mais une fois que je l'ai, c'est tout, c'est bon, je ne stresse plus. As-tu déjà mangé un pige? As-tu déjà mangé un pierogi? Je suppose que c'est. Ta tarte aux fruits préférée? Décidément, je n'aime pas les tartes aux fruits parce que, à part la pomme, la banane. Je n'aime pas les fruits. Oui, je n'aime pas les fruits. Et là, il va avoir un truc alimentaire. Mais les fruits, c'est trop bon. Elle n'aime pas ça. Mais oui, j'aime pas les fruits. Et qu'est-ce que ça peut vous faire? Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Comme faire dans le sens amitié? Quand j'étais petite, alors la petite parenthèse, je voulais ouvrir un spa. Minute de silence pour mes grandes capacités quand j'étais enfant. Non, c'était nul quand même, comme idée. Maintenant, plus du tout, hein. Le spa, c'est mort. Crois-tu aux esprits? Oui. As-tu des impressions de déjà-vu? Oui, beaucoup, très souvent. En gros, j'ai l'impression que quand je vis un truc, je me dis, mais attends, mais ça... Je l'ai vu ça. Ça c'est. Mais je l'ai déjà vécu. J'ai l'impression quoi. Parfois j'ai l'impression qu'il y a des trucs que j'ai déjà vécu quoi. C'est horrible. Prends-tu des vitamines? Non. Portes-tu des pantoufles? Maintenant ben non, pas tout de suite là. Mais j'en porte l'hiver genre chez moi. Un peignoir. Ah, un peignoir. Ben pas tout de suite, mais oui j'en porte. Que portes-tu pour dormir? Un pyjama. Ton premier album reçu? Franchement, en gros, quand j'étais petite, là vous allez rigoler. En gros, on avait des espèces de livres. Je sais pas si ça existe toujours, mais en fait, c'est des espèces de livres. Et tout au. C'est avec plein de comptines d'enfants, genre Frère Jacques, la souris verte, la. La forêt, les cerises, tout ça. Et en gros, vous avez ça, vous avez une super belle image, tout ça, et vous avez le texte. Et tout au fond, à chaque fois, il y avait le CD qui avait quelqu'un qui chantait la comptine. Et en gros, quand j'étais petite, ben en gros, tu devais chanter dessus et tout, et c'était trop drôle. Donc, je dirais que c'est ça, je sais vraiment pas comment ça s'appelle. Je viens de vous expliquer ce que c'était. Alors. Carrefour, Benzlens ou Lidl? J'ai jamais été à Lidl. Des Ends. Je sais pas ce que c'est. Voilà pourquoi j'arrive pas à le lire. Voilà. Et Carrefour, j'y ai déjà été, donc c'est obligé que ce soit Carrefour. Nike ou Adidas, franchement, bof. Pas les deux, je m'en fous. Hamburger ou frites, parce que je n'aime pas les hamburgers. Si vous me faites un hamburger un jour, vous envoyez les pains, la viande, le cheddar et du pain. Et c'est tout. C'est tout. Donc, frites. Champ de tournesol ou coquelicot? Coquelicot. Mais le seul souci, je trouve qu'avec les coquelicots, à chaque fois,
que t'as un coquelicot là, tu le cueilles, et 30 secondes plus tard, il est mort. Ça, c'est très très chiant. Déjà entendu parler du groupe Très Bien. Déjà entendu parler du groupe Très Bien, pas du tout. As-tu déjà pris des cours de danse? Oui, j'en prends encore. Depuis que j'ai 3 ans. Depuis que j'ai 3 ans et j'en prends encore. Du coup, je me suis perdue. Quel métier vois-tu dans ton vois-tu ton futur mari faire? Je vais y arriver. En fait, je m'en fous complètement. Du moment que ça lui plaît, je vais vous dire, du moment que ça lui plaît, moi, ça m'ira. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Non. Non, non, non. As-tu déjà gagné une coupe? Non. J'ai déjà gagné des médailles, mais pas des coupes. De toute façon, en même temps, comment voulez-vous que je gagne une coupe si j'ai jamais participé à un concours pour gagner une coupe, hein? Je vois un peu où est le blême. As-tu déjà pleuré de joie? Oui. As-tu un quelconque... As-tu un quelconque vinyle? Alors, vous allez... Ah, d'accord, les vinyles, je sais ce que c'est bon. Des disques vinyles, je crois. Non. Non, 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 non. As-tu un tourne-disque? Non. Brûles-tu régulièrement de l'encens? Oui. Es-tu déjà tombée amoureuse? Oui. Qui aimerais-tu voir en concert? Pour le moment, là, j'ai pas vraiment d'idée. Là, en ce moment, là, j'ai pas d'idée. Alors, le dernier album que tu as acheté, c'était il y a longtemps, ça. C'était le We Love Disney 2. Voilà. C'était il y a un an. Un an, deux. Ouais, c'était il y a 2 ans, les gars. 2 ans. T'es chaud ou t'es glacé? T'es chaud quand c'est l'hiver et t'es glacé quand c'est l'été. Donc en ce moment, je bois du thé glacé. Thé ou café? Décidément du thé. Avec du sucre ou petit gâteau? Le thé, je m'en fous qu'il soit avec du sucre ou sans sucre. Et petit gâteau, pas forcément. En gros, je m'en fous là. Joker. Sais-tu bien nager? Oui, je sais nager, voilà. Je suis pas la championne en mode... Salut, les gars, je suis la plus forte. Mais, ouais, ça va, je sais nager, quoi. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Oui. Es-tu patient... Ah, sous l'eau, hein, j'entends là, sous l'eau, hein. Sinon, j'en sais rien. Es-tu patiente? Aucunement, je ne suis absolument pas patiente. En tout cas, pour les trucs que je veux là maintenant, il faut que ça soit maintenant, quoi. Dans 5 minutes, c'est trop tard. DJ ou groupe pour un mariage? Là, je dirais peut-être un DJ. Ça peut être classe quand même. As-tu déjà gagné un concours? Ouais. À Delarté, en gros, quand ils avaient fait gagner une tablette. Et j'ai gagné la tablette et j'étais juste heureuse. Là. Eu recours à la chirurgie esthétique? Non. Olive verte ou noire, ni l'un ni l'autre, j'aime pas les olives. Sais-tu coudre ou tricoter? Je sais coudre. Meilleure pièce pour une cheminée? Le salon. Le salon ou la salle à manger? On arrive déjà à la fin, à la 92. Veux-tu te marier? Pas maintenant. Pas du tout maintenant. Mais dans longtemps, 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 etc. Ouais, pourquoi pas. Si tu es mariée, cela fait combien de temps? Je ne suis pas mariée. Avais-tu un amoureux en primaire? Oui. Pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux? Ou gardes-tu tout pour toi?
Bah, ça dépend. Genre, quand je suis avec ma famille, bah, je pleure jusqu'à ce que ça aille mieux. Par contre, quand je suis avec des amis ou avec beaucoup de monde autour de moi, genre, j'ose vraiment pas pleurer, quoi. Je garde ça pour moi, j'essaye de pas pleurer. As-tu des enfants? Non. En veux-tu? Pourquoi pas dans un futur très, 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 dans très, 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 très longtemps? Quelle est ta couleur préférée? Le mauve. Alors là, ça va être... Mais le mauve, c'est quoi la différence entre le violet et le mauve? Ça se trouve. Donc, en gros, c'est parce qu'on m'a posé la même question tout à l'heure. Et j'ai répondu... Violet. Non, 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 mauve. Mauve, mauve. Puis là, on m'a fait, mais c'est quoi la différence? Mais le mauve, c'est plus pâle et que j'adore les couleurs pastel. Et du coup, ben, j'adore cette couleur. Donc, le mauve en premier. Et sinon, si on enlève le mauve, s'il n'y avait pas de mauve dans cet univers, le monde serait moins beau. Et ça serait le bleu très, 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 très pâle. Bleu pastel. 99. Est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Oui, ma meilleure amie. Comme je vous l'ai dit dans la première partie, j'ai envoyé une lettre à une amie. Elle est loin. Je vais vous le dire, elle est à Cuba. C'est super loin. Et je la verrai pas avant la dernière semaine d'août. Moment de tristesse, minute de silence. Non, sans déconner, oui, elle manque beaucoup. Mais on va pas faire une minute de silence. Non, on va retenir nos larmes. Et centième question. Regardes-tu Koh-Lanta? Pas toujours, mais parfois. Alors voilà, ce tag des 100 questions. Les 100 questions bizarres. Bref, vous avez compris quoi. 100 questions que personne ne pose. Voilà. Et fini, déjà tout fini. J'ai répondu à 100 questions. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite de très bonnes vacances d'été. Voilà, même si à l'heure où je poste la vidéo, on sera déjà en vacances d'été. Voilà, je vous souhaite de très bonnes vacances d'été et je vous dis à plus tard. Enfin, à plus tard. À dans plus longtemps, demain, après-demain, dans un jour proche. Futur. Allez, bisous!